Ouais, après c'était une vidéo marrante, quoi. Ça dure 20. Salut les Croustimiams! Hey! Salut les amis! Ok! Alors c'est YouTuber et. Comment t'appelles déjà? Oh là là, on n'a pas préparé, on est complètement à côté de la plaque. Bon, c'est Erwan et Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dégustation. Une petite farce, mais c'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc pour une vidéo non pas dégustation cette fois-ci, mais... Même si on déguste quand même. On déguste. On déguste la vie, on croque la vie après. La sienne, mon amour. Nous, on est carpe diem. On en a bien besoin. YOLO. Voilà. Vivement que ça se termine, cette situation sanitaire. Alors, ouais, on allait faire les virus. Tout en respectant les gestes barrières, on allait faire les courses et on va faire aujourd'hui une petite vidéo. Retour de course. Et on oui. sait que vous avez été beaucoup à nous le demander. Donc, sans attendre, on commence tout de suite. Erwan, je t'en prie. Alors, on commence par les aliments les plus sains du paquet, parce que on fait un peu attention à notre ligne avec Hugo. Moi, un peu moins, parce que forcément, moi, je suis plus maigre, donc j'ai moins besoin. Et à côté, moi, j'ai toujours aimé son côté un peu nounours. Donc, on a commencé par l'huile d'arachide. Donc, oui, une huile végétale, ce qui est le plus classique. Oui, c'est l'huile de l'arachide, oui, c'est ça. C'est celle-là. C'est vrai qu'on s'est dit, le beurre, c'est comme c'est un peu gras, et on nous a dit de passer aux huiles végétales, quoi. Donc, on est passé à l'huile d'arachide, parce que, bah, en plus, c'est le minou qui adore ça, donc. C'est la choupette, une petite choupette qui adore ça. Ouais, après, c'est du bon gras, c'est la nature, donc ça peut pas être mauvais pour nous. Enfin, non, en plus, c'est la marque Casino, il est écrit que produit de qualité depuis 1901. Ouais. Ouais, c'est lui tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Je te laisse continuer. Ouais. Alors, on enchaîne tout de suite avec des pommes de terre, mais coupées d'une certaine manière. Alors, c'est même pas des pommes de terre, c'est que justement... Ah bon? C'est qu'en fait, tu m'apprends quelque chose. Erwan adore, il aime beaucoup les chips. C'est vrai que la diététicienne, la nutritionniste, je sais plus trop quoi, le médecin, quoi, nous a dit. C'est vrai que les chips, c'est mon truc. Il nous a dit de faire attention. Et donc, du coup, nous, on a pris des chips de légumes parce que comme ça, on s'est dit au moins, il mangera varié. Bah oui, parce que est-ce que vous vous souvenez de la pub qui passait quand on était enfant, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est super important. N'oubliez pas ce message. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. C'est tellement ça. Allez, pose ici. Il y a pas mal ça. On enchaîne avec des pommes de terre. Donc, cette fois, ne sont pas coupées encore, mais elles ne sauraient tarder d'être comme celles qui sont là. Vous vous connaissez, on adore les légumes. Déjà. Ah oui, je vous vois. Oh, mais donc, t'as un bouton, toi. Voilà. On va passer tout de suite à la dégustation. Du coup, ce sont des pommes de terre. Ah oui. Ah, j'ai pas les réflexes de youtubeur. Parce qu'à la base, c'est pas moi qui suis sur la chaîne. T'as bien goût les légumes. Mais dis-moi, c'est de la betterave que je viens de manger. Du canet. D'habitude, t'en manges jamais en plus. Ah ouais. Ça, c'est pas pour le repas. Vous connaissez, c'est un peu moi le bricoleur de la maison. Le bricolo, ouais. C'est Bob, on m'appelle. Rapport au dessin animé. Voilà. Bah en fait, c'est de la colle néoprène. On nous demande servir pour réparer mon tiroir. Moi, je comprends rien. Que tout je ça, dire... pour moi, c'est du charabia. Ok. Mais bah, je vais faire ça tout à l'heure, ok? Tu peux passer à autre chose. Laisse-moi prendre mon temps, même les youtubeurs, enfin les viewers, j'ai encore confondu. Les viewers. Oh, il faudra se dépêcher d'aller mettre ceux-là au frais, parce que ce sont des champignons. Des légumes. Nous aimons beaucoup les champignons. Et les légumes. Les champignons, surtout. Alors je vais aller tout de suite les mettre au frais, parce que sinon ça va perdre. Restez là, il revient. En attendant, je vais essayer. On a failli. Catastrophe. Si vous pouviez d'ailleurs arrêter de vous moquer du rire d'Hugo, ça serait très gentil parce que c'est vexant au bout d'un moment. Moi, en attendant, je déguste ces chips de carottes. Moi, j'adore la carotte, donc forcément. C'est bon, les champignons sont au frais. Les carottes sont cuites, comme on dit. Alors, tu peux montrer, on a acheté du... Oh là là. Oh là là, j'espère que c'est pas cassé tout ça. Ok, c'est bon. Hop, j'espère que vous nous revoyez. C'était juste un petit incident. Ok. Alors, montre le pain. On a acheté du pain. L'économe. Non, pas du pain. Ah non, c'est un couteau éplucheur. C'est pas un économe. En plus, les finitions sont plutôt pas mal. C'est plutôt réussi, je trouve. Ah, mais c'est complètement cassé, en fait. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Pour quelques petits euros, c'est rien de bien méchant. Oh. Au pire, on jettera, on en rachètera un autre. Ben oui. Non, montre le pain qu'on a acheté, mon amour. Le pain. Voici le pain. Vous savez qu'on aime beaucoup le pain. On n'en trouvait pas du comme ça à la boulangerie, c'est celui qu'on préfère. Donc, il est complet un peu, vous voyez, il y a des petites graines de saison. Ouais. On m'a dit que c'était beaucoup mieux. Il n'y a pas d'huile de palme, donc pain blanc. On va écouter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Si c'est forcément bon. Alors, je précise, parce que pour ceux qui nous accusaient lors de la dernière vidéo d'acheter des produits pas français, Cocorico ou Frédéric Nopin avec de la farine de blé 100% français. Alors, en Auvergne d'ailleurs. Voilà. Donc, ouais. C'est quoi les mauvaises, oui, les mauvaises langues? Et puis les mauvaises langues aussi qui nous critiquent parce qu'on fait des placements produits et des opérations de sponsoring de nos vidéos. Je tiens juste à signaler, c'est une parenthèse un peu coup de gueule, ça passera peut-être comme Sifano, etc. Mais si on fait des opérations sponsorisées, c'est pour avoir plus d'argent, mais cet argent, il ne nous est pas utile à nous individuellement, il est pour la chaîne. Pour payer les techniciens? Typiquement, la caméra qui vous filme, à votre avis, elle est payée comment? Voilà. Les monteurs, ils sont payés comment? Le décor, il est payé comment? Les courses. Et les courses, évidemment, parce que les vidéos de retour de course, ça vous plaît beaucoup, mais ça coûte très cher. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon coup de gueule, donc ça souffle en dehors. Vous pouvez pas voir, ni sentir, mais... Ni entendre. On est complètement énervé, ça se voit hyper Vu que nous on est français, on adore le fromage, donc on a décidé de déguster du bon fromage de terroir. Voilà. Produit en France aussi. Non, en plus il y a une petite vache, donc... Ribambelle. Alors ça vient de Suresnes, dans le 9-2 en France. Le 9-2, vous savez, c'est Neuilly. Oh, c'est pas vrai, ça vient des fromageries belles. Vous savez que les fromageries belles, c'est dans la Sarthe, parce que vous savez que moi, je fais partie du personnel hospitalier. Je travaille dans la Sarthe, j'ai une patiente qui travaille là-bas. Il y a à dire encore le soir à 20h. C'est bon, ça avec... Non, mais les gens oublient, ça commence à être fatigant de... Genre, pour eux, ça n'existe plus. La pandémie, c'est fatigant. Donc, on enchaîne. Ça peut se comprendre. Alors ça, c'est parce que des fois, je suis un peu fatigué le soir. Et quand j'ai besoin de travailler, bah, il faut que je puisse me revigorer un petit peu. Et puis après, bah, c'est pas mauvais, hein. J'ai regardé la composition. Écoutez, c'est quoi? C'est une boisson énergisante, c'est ça? C'est de l'eau gazéifiée avec du sucre et du sirop. Hein. Donc après, il n'y a rien de particulier. C'est pas particulièrement gras non plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce que disent les personnes mal intentionnées dans les commentaires. Donc, on enchaîne tout de suite. Et ça lui met un sacré coup de pompe. Si ça, c'est un peu le luxe de la soirée, enfin, de la journée, parce que on n'en prend pas tous les jours vu le prix et la qualité, mais c'est un champignon. Hein. On coupe, c'est trop marrant. Un saucisson au champignon. C'est dur à dire. Hein. C'est comme, je suis assez séchoche. Je suis passé chez séchoche. T'es pas mal, toi. T'es presque dedans, toi. Hein. Apéritif frais, c'est vrai que c'est frais. Ah non, dis donc, Dina, dis-ton du dos. Non, j'arrive pas. Moi, j'adore la publicité. Après, on a pris du steak haché. Ça, c'est pour la choupette. Elle adore beaucoup la viande. Ouais. Oui, parce que nous, on est végétariens, donc... Ouais, non, on mange que du poulet, moi. Bah, tu m'apprends quelque chose, et pourtant, je suis avec toi, donc à mon avis, soit tu racontes des calembours à la caméra pour faire des vues, et qu'on s'embrouille, et que du coup, ça fasse monter le référencement. Genre, je fais du poulet. Okay. Et puis, on termine ce retour de course avec des délicieuses, succulentes compotes casino sans sucre ajouté, pomme-poire. Et oui. En vrai, voilà. Le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de sucre ajouté, c'est pas très bon. Bah, c'est pas bon. Tu dois sans sucre ajouté, là? Bah oui, parce que je t'ai dit que je faisais attention à mon régime. Mais non, mais c'est pas bon sans sucre ajouté, ça n'a pas de goût. Je suis désolé, du coup. Je recommencerai pas. Bon, bah, est-ce qu'on est arrivé au terme de ce jeu de vidéo? J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires dans la section commentaires et vos petits pouces bleus vers le haut dans la section pouces bleus vers le haut. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications quand nos vidéos sortent. Vous vous abonnez, évidemment, et puis vous partagez ça sur vos réseaux. Et surtout, n'oubliez pas en ce moment de respecter les gestes barrières. Toutes les personnes ont été testées avant le tournage. Tu peux pas t'empêcher d'avoir le cœur sur la main. Et sachez que toutes les personnes ont été testées avant le tournage. On se lave les mains entre chaque prise, entre chaque aliment. Ça se voit pas parce que le montage est très fluide, mais voilà. Voilà. Tchuss, les croustillants. Salut, Niams.